Bellecombe en Bauge, direction Le Mont, puis le reposoir. On arrive au parking du reposoir, où il y a toujours beaucoup de place. Et où le paysage est très agréable. C'est souvent une sortie en famille. Donc sous le parking, on se dirige vers le petit pont qui traverse le ruisseau en dessous. Après le petit pont, on monte direct dans le champ. Le temps est magnifique aujourd'hui, il n'y a pas énormément de neige. On continue à travers la petite Pessière. Dans la forêt qui suit, l'itinéraire est évident. On traverse un petit ruisseau et on se dirige vers l'alpage du Golet de Doucy qui est juste après. L'été c'est beau, c'est verdoyant, c'est joli. Et l'hiver, ben, c'est très beau aussi avec toute la neige. La vue sur la Dent des Portes et sur la montagne du Charbon, c'est extraordinaire là cette saison. Et là on continue vers le Golet. Voilà le Golet de Doucy. Là-bas, c'est le Roc des Bœufs. Ici, le Cré du Char. Là-bas, au fond, c'est les Chalets du Mollard, juste au-dessus du col de Bornette. Au-dessus du Golet, c'est le Chalet du Golet. L'écurie devant. L'écurie derrière. On va se diriger vers le chalet du Golet et ensuite ça monte en travers. Après quelques centaines de mètres sur un gros chemin, on arrive vers un gros rocher et là on va prendre un sentier beaucoup plus petit qui monte à gauche. Tout de suite après, c'est encore à gauche. Sous la Dent des Portes, on rejoint le sentier qui monte du Cul du Bois au-dessus de Doucy. Et on va le suivre. Direction Trélo. Voilà la Dent des Portes, assez imposante vue d'ici. Sous la Dent des Portes, il y a plein de stalactites, de glace. Alors faut se méfier. Quand on passe en dessous, ben, ça peut tomber. Et quand il y en a une grosse qui vous tombe sur la tête, on n'en sort pas toujours vivant. Donc méfiance. Du chalet du Charbonnet. Certaines cartes, chalet des gardes. En bas de l'autre côté, le Golet de Doucy, le Cul du Bois, Doucy, la Compote. La vue est exceptionnelle. Le Roc des Bœufs. Le Semnoz.
La dent du chat au fond. Argeria et ses horribles pistes de ski. La dent de Rossane et le Colombier. Merveilleux sommet. La Chartreuse au fond. Belle donne. Retour en Bosch. Il y a du monde au sommet du Trello. Alors, c'est un peu tard pour y aller pour moi, tant pis. J'arrive pas à faire ça en une demi-heure. Ça fait trop court. Je vais retourner vers la dent des portes. Ce sera plus sage pour aujourd'hui. Allez, je vais suivre la crête jusqu'à la dent des portes. Cette crête est superbe, mais alors, il y a un vent glacial. Eh bien, je ne suis pas tout seul. Cette crête est vraiment splendide. Après la crête, je suis dans l'ascension. Dans les rochers. Voilà le sommet. Il fait beaucoup plus beau que la dernière fois que je suis monté. Il y a un vent là, il fait pas chaud. La crête du charbon, mais aujourd'hui, ce sera pas bon. La tournette est tout au fond, le Parmelan. Au sommet, j'ai été rejoint par un randonneur très sympathique. Et puis, je suis redescendu direct cette fois. C'est super. Allez. Retour vers le Golet de Doucy. Je vais descendre direct vers les chalets. Et ensuite, comme j'ai encore un petit peu de temps, je vais faire la traversée rapido jusqu'au col de Bornette. Les descentes dans la neige sont toujours un vrai plaisir. Je suis arrivé pas loin des chalets de l'écurie devant. Et là, j'arrive à l'écurie derrière. Et là-bas, tout au fond, c'est les chalets du Mollard. On arrive au vieux chalet de Bornette, adossé à son rocher. Un peu plus loin, on ne le voit pas, là, il y a le chalet beaucoup plus moderne des Ailes du Nant. Au-dessus, les chalets du Mollard. Super bien situé, j'adore les photographier. Et juste en dessous de moi, le col de Bornette. Et là, je vais prendre à gauche pour redescendre au reposoir. Arrivé au chalet du Noubloz, je préfère descendre direct dans les prés.
Ma voiture est en bas, tiens. C'est plus confortable que le chemin qui descend en forêt, qui est très rude, avec plein de cailloux. Retour au reposoir. Alors ben, je crois que j'aurais peut-être pu faire le trello, mais bon, j'ai été prudent, c'est pas plus mal. Il est 17h, il me restait une heure de jour. Par contre, ça caille. Hein. Voilà, je vais redescendre. Alors, petit détail sur la route, elle n'est pas ouverte tout le temps, l'hiver en particulier. Donc, il faut parfois stationner au mont, tout en bas.